Salut à tous et rebonjour parce que ça fait un peu longtemps que j'ai pas commenté. On se fait une bonne semaine, le temps de faire quelques vidéos autres, on va dire. On va fermer ça, on va baisser un peu le son et on est parti. Alors c'est une vidéo réponse, oui on peut dire que c'est une vidéo réponse puisque c'est la réponse à un défi que m'a lancé Yuki62. Un ami à moi. Alors, il m'a défié, alors je vais vous montrer. Bon, tant pis. On va quitter la spéciale, je fais spéciale rapide comme un abruti. Bon. Bref, en fait, il m'a lancé un défi d'aller plus vite que lui sur une spéciale en Australie. Donc, il a choisi la spéciale, il a posté la vidéo il y a à peu près une toute petite semaine, à peu près. Donc, je suis un peu en retard. Niveau réponse, mais bon, c'est pas très grave. Alors, il a pris la Fiesta R2, donc. Alors, je me souviens plus de son temps, il a fait 4 minutes et au niveau des centièmes, c'était 66. Mais après, je sais absolument plus les secondes, donc j'ai pas envie de le faire celui-là. Oui, quitter. Voilà. Nous on va faire mieux. Alors déjà j'ai regardé un truc. Option. Jeu. Voilà. En mode rallye. Alors je vais montrer la spéciale. Alors spéciale unique, alors rallye d'Australie. Voilà, c'est la spéciale qu'il a pris. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description pour comparer un peu le niveau de talent de pilotage, on va dire. Alors oui, en journée. Donc on va prendre la voiture qu'il a pris, hein. Donc, alors il m'a dit qu'il avait pris Suarez. Et pour que la vidéo soit un minimum consistant, on va la refaire juste derrière avec une WRC. Histoire que la vidéo ne soit pas trop courte non plus. On y va. Allez. Bon, le temps que le chargement se fait, je vais un peu parler des prochaines vidéos qui vont arriver. Alors, on a la fin de la playlist rétrospective Formula One qui va arriver. Donc là, je viens juste d'upload le 2011. Attends, on va se concentrer. Je ferai le listing de ce que je ferai après. Je tiens à préciser que, alors je sais pas s'il l'a fait exprès, mais je déteste l'Australie. Hein, enfin, dans le jeu, le spécial, je déteste. Ça va, ça gère. C'est souvent au moment où je dis ça où je me plante. Hein, on va éviter de se porter la poisse à soi-même. Je tiens à préciser que je suis en difficulté 10 aussi. Au pire, si le cœur vous en dit, vous avez qu'à lui demander en commentaire sur sa vidéo en quelle difficulté il est. Ça m'a fait penser parce que là, je vois que je suis 3ème au premier pointage.
Faire gaffe ici, je me plante souvent. Wow, aïe. Ça, putain. Super peur de me le prendre, mais ça va, j'ai pris un peu de coin, donc ça m'a un peu remis sur la route. Oh non! Putain, elle est pas passée loin celle-là. Voilà. Bon, alors je me souviens que t'avais fait dans les 4 minutes. Bon, je me souviens que t'étais arrivé premier. Bon, nous on arrive quatrième, mais au moins on a fait 3 minutes 41. C'est mieux que le tien, record battu. Alors maintenant on va faire ça pour le fun. Alors juste mettre le mode replay. Attendez, je vais le remettre au début. Alors. Je parle un peu de mes projets le temps que le mode replay se charge. Alors, ce que je vais faire dans les prochains jours. Alors, la fin de la rétrospective va arriver dans très peu de temps. Alors, on est le 12, le 11, pardon, nous sommes le 11. Comment ça se fait que ça s'éteint ? Oh, je trouverai plus tard. Nous sommes le 11 la fin de l'introspective, donc elle devrait arriver jeudi 11. Ouais, normalement pour ce week-end, pour dimanche, c'est fini. Si tout va bien. Qu'est-ce que je prévois? Donc l'upload de cette vidéo. J'ai une vidéo un peu IRL sur la Cité des Sciences à Paris là, qui s'est uploadée il y a à peu près une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui devrait arriver dans les prochains jours? Ah oui, l'épisode 6 de Gran Turismo 5 qui devrait arriver dans les prochains jours. Ainsi que l'épisode 2 de Resident Evil 6. Et pour l'instant, je suis en préparation, je suis en train d'écrire les briefings de saison 2015, donc que ce soit EERC, donc European Rally Championship. WRC et Formula One. Donc bizarrement, donc celui qui va sortir premier, c'est le RC, parce que bah, la saison commence très tôt dans l'année. Le premier rallye du 4 au 6, je crois, 4 au 6 janvier. Donc normalement là on est le 11, j'ai dit, ouais. Donc autour de Noël, le briefing ERC de saison 2015 devrait sortir autour du 25-26. Le briefing WRC, il va arriver un peu plus tard, autour du 15 janvier. En tout cas, c'est après le premier rallye de ERC qui va sortir le briefing WRC. Autour du 15 janvier. Par contre, pour le briefing F1, ça va prendre, enfin, pas du temps.
Il va sortir aux alentours fin février. Fin février, début mars. Et au niveau de l'avancement de ces fameux briefings, donc j'ai mes feuilles là à côté, je regardais vite fait. Bizarrement, celui qui va sortir plus tard, c'est-à-dire Formula One, est celui qui est plus avancé. WRC et ERC. Donc je suis un peu dans la merde, c'est que pour l'ERC, on n'a aucune info alors qu'il faut que je sorte dans minimum 2 semaines. Enfin, dans maximum 2 semaines plutôt. Donc on va essayer de se. Enfin, je vais essayer de me bouger le cul. Je vais faire appel à 2-3 collègues, 2-3 amis pour qu'ils m'aident. Hein, pour ne pas les citer, enfin c'est tout le temps les mêmes, hein, de toute façon, hein, je les ai cités dans mon débriefing. Je mettrai un lien dans la description dans mon débriefing WRC saison 2014. Ce qu'ils m'ont bien aidé, alors je vais les reciter parce que ouais, ils le méritent. Donc Tigers qui m'aide un peu dans tout ce qui est résultats et informations en tout genre. Et Bartman qui m'aide sur un peu le calendrier et aussi les infos. Donc on est à 3 à faire ça, mais c'est moi qui m'occupe de la retranscription audiovisuelle. Si je puis dire comme ça. Donc pour revenir à nos moutons, Yuki s'est battu. Mais maintenant pour. Oh là, ma manette qui commence à. Commence un peu à tirer la gueule. Oh merde. Ok. Alors on va la refaire avec une WRC histoire de s'amuser un petit peu. Et histoire que je vous repropose un petit peu. Oh putain. Non mais ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Hop là. Alors WRC. On va prendre Allez, vas-y, Julien Morin. Donc le temps que ça se charge, je vais encore discuter un peu là-dessus. Donc au niveau épisode Resident Evil, alors c'est du grand aléatoire. Hein. C'est moi je tourne mes vidéos. Hein. Faut savoir c'est que pour ceux qui attendent vraiment de la ponctualité avec moi, vous pouvez aller voir ailleurs parce que moi et la ponctualité, bah, ça fait deux. Comme vous pouvez voir, hein, j'étais à fond sur le let's play. J'ai eu Gran Turismo 5 il y a un mois et demi, où je sortais en 2 semaines, j'ai sorti 2 épisodes, puis après ça s'est calmé, j'en ai sorti qu'un, et puis l'épisode 3 et 4 qui se sont suivis quasiment, l'épisode 4 et 5 qui se sont suivis, et là depuis le 5, là ça fait peut-être 3 semaines que j'ai pas tourné d'épisode, enfin peut-être pas 3 semaines non plus, mais là, normalement après cette vidéo et après la rétrospective, voire même avant la fin de la rétrospective, on va reprendre avec l'épisode 6. Gran Turismo 5 et on va essayer de carburer à mort pour peut-être pas pour le finir au plus vite possible mais au moins pour avancer correctement. Et ensuite Resident Evil là c'est pareil, on va faire ça un peu à l'arrache. Enfin pas à l'arrache mais voilà les. Je pourrais même pas vous dire quand l'épisode 2 va. Enfin, l'épisode 2 aussi, vu que je vais le tourner dans peut-être une petite heure. Ou peut-être demain, je sais pas. Donc voilà, je suis un peu pressé par le temps. Attendez, vraiment. Ah, c'est mieux qu'une nouvelle. Alors, on parle en train de dans le replay, je vais me concentrer parce que j'ai envie de faire une bonne spéciale. Oups. Merde.
Aïe aïe aïe. Oh merde! Ah, oh, j'aime pas ce rallye, y'a pas à chier. Je préfère la Nouvelle-Zélande. Non, 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 non. Ah, mince. Bon, elle était pas super belle, mais bon, de toute façon, j'aime pas ce rallye. Et ce sera le mot de cette vidéo. De toute façon, j'aime pas ce rallye. Mode replay. Donc, je sais plus ce que je disais. Resident Evil, débriefing. Ouais, ponctualité. Ouais, bah, j'avais fait le tour. Ah ouais, niveau épisode de Gran Turismo 5, j'avais réfléchi. Pour ce qui est de la série Endurance, parce que la dernière série c'est la série Endurance, j'avais dit au début, dans l'épisode 1 ou 2, qu'on allait la faire, mais sauf les 24 heures, mais en fait je suis même pas sûr de la faire parce que la plus petite épreuve d'endurance, déjà elle est inintéressante parce que voilà, on n'est pas avec des voitures de course, on est avec des voitures de série. Et mon portable il peut filmer que 1 heure. Enfin que 1 heure, enfin moi je peux faire plusieurs vidéos mais voilà, ça serait un peu con d'avoir une course d'endurance en plusieurs vidéos. En tout cas moi voilà, je trouve pas ça génial. Donc je pense ne pas les faire, je pense qu'on va s'arrêter à la série expert ou difficile, enfin je sais plus comment elle s'appelle, enfin la plus haute. Et puis on dira que ce sera la fin du jeu, et puis faire tous les permis, etc. etc. Histoire donc dans l'épisode 6 avec ce qu'on a fait, alors, je sais pas combien d'épisodes on ira. À mon avis on ira au moins jusqu'à une cinquantaine je pense. Donc là elle va nous prendre longtemps cette série. Resident Evil, je vais essayer de faire des épisodes. On a que ça va être des épisodes assez longs sur Resident Evil. Histoire de le finir assez rapidement et que vous me donniez tous vos avis sur est-ce que je continue les campagnes des autres personnages de Resident Evil ou est-ce que je fais que Chris et que ça vous a... Oh putain, que ça vous a plu. Et après niveau autre vidéo... Ah oui! Ah je vais vous lire, j'ai récupéré un abonnement Xbox Live. J'ai également acheté Minecraft sur la 360. Du coup bah là je tourne un peu sur tous les jeux là depuis que j'ai mon abonnement. J'ai tourné sur Forza avec des amis, j'ai tourné sur Payday avec des amis, sur Minecraft aussi. Oh putain ça j'en suis fier. C'est pas l'autre épingle où j'ai géré. Attendez. Non bah non. Oh tant pis. Je regarderai au montage. Non, je sais plus ce que je disais. Ah. Ouais, donc je tourne sur FM, sur Forza Horizon un peu moins. Sur WRC4, j'ai pas joué à part pour cette vidéo. J'ai tourné sur Payday, j'ai tourné sur Call of. Sur F1. Enfin, voilà, j'ai le Xbox Live, donc sur Dirt aussi, Dirt, enfin. S'il y en a qui veulent jouer avec moi ou autre, pas de problème, hein, c'est... Enfin, juste, si vous voulez jouer avec moi, enfin, indiquez-moi que déjà vous me connaissez, enfin, vous me connaissez par l'intermédiaire des vidéos. Dites-le-moi, enfin, envoyez-moi un message Xbox, et
si vous voulez jouer avec moi, vous m'envoyez un message Xbox en me disant que vous me connaissez par l'intermédiaire de YouTube et que vous voulez jouer avec moi. Après, en fonction de mon emploi du temps, en fonction de quoi et qu'est-ce, je vous répondrai oui ou non. Mais m'invitez pas en ami, de toute façon, j'accepte pas les amis. Donc au moins, ça c'est dit. Et je pense avoir fait un peu le tour sur les prochaines vidéos. Ah oui! Ça, je voulais vous remercier. Ma vidéo du débriefing, parce que j'ai pas eu l'occasion de recommander une vidéo après celle-ci. Ma vidéo du débriefing. Ah si, j'ai eu des problèmes. On va parler des deux. Ma vidéo du débriefing sur Yas Marina, le Grand Prix d'Abu Dhabi, la saison 2014. Enfin, à mon échelle, a fait un tabac. On a 125 vues, je crois, ou un peu plus. Et je suis vraiment content qu'elle ait bien marché. Après, j'ai eu un gros problème, j'ai eu des soucis de droit d'auteur, tout ce que vous voulez. J'ai eu tous les problèmes possibles et imaginables pour sortir le débriefing saison 2014 de Formule 1. Du coup, bah, elle a pas beaucoup de vues, je suis même pas sûr qu'elle est disponible. Regardez sur ma chaîne si elle est disponible ou pas. Et puis, ça, je mettrai tout ça dans la description, que ce soit les débriefings dont j'ai parlé. Je ferai une petite synthèse dans la description pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo. Nous sommes déjà à 22 minutes. Phrase de conclusion. Yuki, ton temps est battu. Et si d'autres personnes veulent me défier sur quoi ou qu'est-ce jeu, envoyez-moi un message ou bien dans les commentaires. Voilà, salut à tous!